Le terme de valeur, moi, c'est vraiment la question de qu'est-ce que ça vaut. Ce qui est drôle, c'était un peu la question première qui était posée par les lycéens avec lesquels j'ai travaillé pendant des années à Aubervilliers, qui étudiaient en CAP carrosserie. Et à chaque fois qu'on sortait, à chaque fois qu'on rencontrait des gens, à chaque fois qu'on allait justement dans le monde de l'art contemporain, qui peut être par exemple rencontrer Thomas Hirschhorn dans son atelier ou travailler avec la galerie Chantal Crouzel, il me demandait qu'est-ce que ça vaut? Ça coûte combien? Et à chaque fois, la réponse était vachement compliquée, comme si on ne s'attendait jamais à ces questions-là et qu'on n'avait vraiment pas les réponses. Et sauf Hirschhorn qui nous donnait très clairement le prix des pièces. Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 150 000 euros. Et vraiment, la question, c'était ensuite, c'était bah, pourquoi? Et ça, c'est quelque chose qui m'a vachement obsédée. Donc, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qui est nécessaire de faire aussi? Et du coup, quelle est notre démarche en tant qu'artiste à chaque fois? Donc, qu'est-ce qu'on crée comme valeur? Et du coup, cette question de nécessité, c'est un peu aussi une projection, et je pense que c'est aussi un problème. C'est ce que moi j'ai analysé comme un problème dans ma pratique. C'est qu'on se projette pour les autres. Qu'est-ce qui serait nécessaire aux autres? Et donc, il y a un peu cette impression de commanditaire qui ne sont pas des commanditaires. C'est-à-dire qu'on parle à la place des autres, particulièrement dans les pratiques sociales, où je trouve que souvent il y a ce déplacement qui est fait, et c'est là où on rate la marche. Si j'arrive quelque part, je rencontre des personnes et je me demande qu'est-ce que je peux apporter? Et moi, mes outils, c'est l'art, ou plutôt les systèmes de l'art. Donc, quelle valeur je peux amener là-dedans? Et quelles sont les demandes, en fait, qui pourraient être faites? Et donc, ça demande énormément de conversations, et c'est un temps qui est assez précieux, qui est vraiment un temps de rencontre, mais aussi un temps d'analyse, on va dire, des situations pour les personnes avec qui je vais travailler et moi, et savoir où est-ce que je vais pouvoir me placer là-dedans. Et donc, quelle valeur ajoutée, en fait, je vais pouvoir amener. Et ces valeurs ajoutées, pour moi, c'est souvent enfin, un rapport de déplacement, et c'est des déplacements du réel dans sa forme poétique, mais c'est aussi des formes plus pragmatiques, c'est aussi des déplacements de l'économie, par exemple. Et je pense que c'est un peu ce qui m'a amené à l'idée de surplus, donc de plus-value aussi, donc, en s'éloignant beaucoup de Proudhon et de la plus-value marxienne, mais. Quelle plus-value on apporte et quelle plus-value on est capable de créer en utilisant l'art comme outil et pas comme chose absolue. Et sache que c'est un peu le centre de mon travail. Crois que dans cette idée de surplus, de plus-value, j'ai un peu négligé. Et de savoir un peu qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce qui est nécessaire et pour qui on le fait. Et à chaque fois, j'ai négligé un élément qui était primordial, qui est moi. C'est-à-dire que, à force de me mettre au service de ce que je crois être au service des autres, il y a comme si je perdais aussi ce que moi j'étais censée faire là-dedans, ce que j'avais envie de faire dans ces pratiques-là. Et je pense aussi que tout ce temps, par exemple, de rencontre, tout ce temps de réflexion qui nous permet de comprendre et d'analyser et de mettre des mots sur la valeur qui peut être amenée, et un temps qui est négligé en tant que valeur de travail. Et là, du coup, on repart un peu vers le concept un peu de plus-value marxienne. Parce que le travail, c'est quelque chose qui ne se chiffre pas, ce n'est pas une marchandise, c'est l'individu, c'est le vivant. Et mon propre vivant, je l'ai négligé au point d'en faire un burn-out. Donc, j'ai négligé mon propre surplus en vidant, on va dire, toutes les caisses. Et donc, à partir de ce burn-out, c'est-à-dire comment repartir, comment retrouver un sens et dans l'art contemporain et dans cette idée de travailler avec les autres, pour les autres, et donc plus pour moi, parce que j'ai perdu ce moi. Et c'est là où, tout d'un coup, dans ma pratique, est vraiment arrivée l'idée du craft et du faire, donc le retour à la main, le retour à soi, et où le recentrement un peu de. Ce que dirait M.C. Richard. Et donc, ce retour à soi s'est passé d'abord et ce recentrement par quelque chose de très pratique qui était la céramique et particulièrement la pratique du tour, une tournée de la terre.
Et donc, tourner de la Terre, c'est avant tout se recentrer, c'est avant tout centrer une boule de Terre déjà, et c'est aussi retourner vers soi et donc se réfléchir. Et pour moi, c'était vraiment un exercice presque méditatif de miroir, de se retourner comme ça et se dire, mais où est-ce qu'on va? Et qu'est-ce que moi, je peux apporter comme valeur? Où est ma propre valeur? Et comment je peux survivre dans ce système-là, en sachant que 80% de ma pratique n'est pas validée, ou en tout cas justifiée en tant que valeur économique. Et donc, qu'est-ce que je préconise? Ce serait peut-être aussi ce retour à soi. Et donc, c'est toujours difficile de préconiser quelque chose, parce que c'est un peu condescendant dans un sens, de penser par rapport aux autres, pour les autres. Mais ce que je mets de ma propre expérience sur la table, ce serait un peu voilà, se recentrer pour savoir où est-ce qu'est notre propre nécessité de faire les choses. Pourquoi est-ce qu'on les fait exactement? Et où est ce retour à soi? Voilà. Avant de pouvoir parler pour d'autres et ou faire pour d'autres, ou se consacrer aux autres. Je parlais de la céramique, et c'est marrant, je fais une petite digression qui repart un peu vers les questions qu'il y avait auparavant. J'écoutais hier une conversation de Rikri Tirevanija avec un Zurich Obrist, qui disait que lui, au départ, ce qu'il voulait, c'était prendre l'urinoir, le décrocher, et puis le raccrocher dans des toilettes publiques, et finalement pisser dedans. Et j'ai trouvé ça vraiment gonflé de sa part. Et puis finalement, il était arrivé à la conclusion que la meilleure chose à faire, c'était peut-être de le raccrocher dans le musée. Et je pense que j'ai eu un peu une démarche similaire, non pas contre l'urinoir, parce que finalement, j'ai pas très envie de me confronter au père d'une certaine manière. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais voilà, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait avec ces objets du quotidien, d'une certaine manière, avec les ready-made. Et c'est marrant parce que si Rikri Tikirinja fait de la terre et après avoir consacré beaucoup de temps à la pêche à la mouche, se consacre au tour également et donc réinclut les céramiques dans son travail. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi, par exemple, dans l'exposition du surplus, quand justement il y a une pièce particulièrement qui est une série de 100 tasses tournées autour que je fais et que je vends selon une courbe qui a été dessinée par Sophie Crass, qui est une historienne de l'art qui travaille sur l'économie et qui a publié sur ces questions-là et qui du coup a défini une courbe de prix. Pour chaque une de ces tasses qui sont une série donc qui se ressemblent mais qui sont pourtant toutes faites séparément et donc qui sont vendues au premier spectateur arrivé qui prendrait la première tasse et du coup l'achèterait selon le premier prix de la courbe qui est en dessous du prix de revient, donc en dessous de ce que ça me coûte en fait de travailler. La seconde tasse est un peu plus chère, donc correspond à un deuxième prix, et ainsi de suite en suivant la courbe, en sachant que la dernière arrive à un prix qui est un prix d'œuvre d'art, entre guillemets, et donc un prix de collectionneur. Et cette pièce est un peu une sorte de métaphore de comment est-ce que je travaille dans les pratiques sociales et quelles sont en fait mes propres économies, mes propres valeurs et la valeur que je pose sur les choses ensuite. Voilà. Et aussi replace à l'intérieur de l'exposition pour le second public qui est celui qui ne participe pas en fait au projet social et au projet communautaire sur lequel je peux travailler, d'avoir un accès et aussi un accès visuel parce que c'est vraiment souvent ce qui pêche on va dire dans ces pratiques-là, de ne pas pouvoir s'accrocher quelque part à un moment donné pour un second spectateur. Et voilà, du coup d'avoir toutes ces petites métaphores et toutes ces présences aussi de céramique dans l'exposition. L'autre exemple qui reprend ces questions-là, ce serait celui de la collaboration avec Abou Dubaef, dont je parle très souvent et qui a été assez central dans mon travail, et qui est donc initialement une invitation de la Fondation Lafayette à travailler sur une exposition qui s'appelle Le Centre ne peut tenir, et qui me proposait de travailler avec des personnes en exil. Suite à quoi j'ai rencontré un certain nombre d'associations, un an de recherche se sont mis en place avant de pouvoir commencer à travailler avec Abou Dubaef, qui lui vient d'une association qui s'appelle la Fabrique Nomade et qui travaille essentiellement avec des artisans réfugiés. Et donc, pour ce qui était de Abou, vraiment, la question était de en quoi on peut travailler ensemble et qu'est-ce que la fondation pourrait apporter finalement, tout en utilisant d'une certaine manière l'image que ça peut avoir de travailler en collaboration, enfin, un artiste en collaboration avec des personnes en exil et des associations qui font ce travail politique et ce travail de fond. Nous, ce que j'ai proposé à ce moment-là, c'était que le budget d'exposition serve à créer un contrat salarié pour Abou Dubaef,
qui pour le coup travaillerait dans l'exposition. D'abord, l'idée était de travailler dans les structures d'exposition, puis finalement, ça s'est concrétisé sur une pièce qui est une grande table, une sorte de menhir comme ça, posée, qu'on a constituée, designée ensemble et produit ensemble, et qui regroupe, on va dire, l'ensemble des savoirs, voire un peu plus, parce que la table était censée un peu pousser les capacités, les savoirs de Abou, pour qu'il y ait un challenge, pour que l'un et l'autre, y ait, enfin, pour créer une forme d'excitation aussi dans le fait de se travailler ensemble. Et voilà, donc cette table a été exposée, montrée, et devient un peu le centre de ce qui pourrait être tout ce projet qui vient surtout des non-producteurs, qui est un projet toujours en cours, et qui finalement, sur les mêmes principes que la collaboration avec Abou, inclut une dizaine de personnes en exil de différents pays, avec différentes fonctions, mais tous venant du cadre culturel de la production artistique, que ce soit dans le cinéma, le son ou l'art. Voilà. Et donc, qui crée une sorte de collectif qui se retrouve autour d'un l'idée d'un film qui est toujours hypothétique, toujours en fonction et qui est tourné comme ça depuis quelques années, étape par étape, atelier après atelier.